conditions quand même de vie qui se sentent très contraires de ce qu'ils ont et se sentent très sympas à ce sujet. Déplacer toutes ces. Donc c'est vraiment quelque chose qui est. C'est un véhicule, mais c'est humain quand même, tu vois. Parce que ça joue un rôle de. Tout est simple, on vit comme dans les paradis quoi. On n'a pas besoin de voiture ni d'avion pour se déplacer, on n'a pas besoin de moto aussi. On se déplace à travers la lumière, à travers le son, à travers les idées. Étant là, je peux me déplacer au pôle Nord en une fraction de seconde. Et puis quand j'ai envie de quelque chose, il me faut juste penser à la chose, ça vient directement. Si j'ai envie de manger du poulet, ça vient tout cru et puis je mange comme ça. Sans me déplacer, sans rien faire. Puis, quand j'ai envie de faire l'amour, je pense directement à ma femme et puis elle aussi, elle pense à moi. Et puis, à travers la télépathie, on fait l'amour, c'est tout. Et puis, tout va vite, quoi. C'est comme une vitesse lumière, quoi.
gens se déplacent comme les humains. Aujourd'hui, je peux être à Calavan et puis demain, je peux être à Torokorobou avec ma maison, avec tout ce que je veux, avec mes matériaux. Les immeubles, on voit les immeubles comme des étoiles. Tu vois, les étoiles qui sont. Les immeubles sont superposés avec. On ne voit que la lumière. C'est pas du mat. C'est pas comme le ciment ou je ne sais pas, des briques ou comme ça. On voit les immeubles sont sous forme de lumière. On pénètre, il n'y a pas une porte fixe là-dedans. Donc, on rentre par là où on vit, on sort. On sort aussi quand on veut et comme on veut, mais ça ne s'aperçoit pas, quoi. Sur les autres stations, que ce soit ou bien sur les autres astres. Voilà. Les hommes ont évolué. C'est grâce vraiment à la richesse faite par les hommes.